casser le feu de la branche. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va aller sur le Luberon, le Grand Luberon, du côté de Serrest, côté ouest ou est, l'un ou l'autre, je sais pas. C'est des traces que je veux faire depuis un bon moment, que j'ai jamais eu le temps de trop faire, donc c'est bien, on va découvrir un petit peu. Un bon pierrier normalement, le pierrier de Serrest, assez engagé, donc c'est bien, ça va rouler un peu fort, ça c'est bon. À plus tard. Ciao. Ouais non, mais moi je me rappelais pas, c'est défoncé par les orages, ça a vécu quoi. Bon, ça sert à rien d'avoir deux roues en fait. Allez, ciao. Hein. T'es sûr que c'est là? Oh, ta race! Oh! Je me suis ouvert le short! Oh putain, ça monte là, non? Ah effectivement, ouais. Ça monte. Enculé. Alors, on va mettre du speed un peu. Travers de port. Hop là. Et voilà, et bien sûr, hop là. Sortie kilomètre vertical. Très sympa. Avec un petit vélo à 17,5 kg. Ça rase. C'est une piste de ski qu'on remonte. Oh là là. Alors on va accélérer un peu. Saint-Martin de Castillon, le Ventoux, là on a Lure. Lure ici, ouais, Lure là, les écrins là. Et là toute la ligne qu'on voit c'est quoi? D'accord, derrière Digne. Donc c'est genre c'est Montclair, c'est ça? Dans les nuages c'est le Verdon. Là c'est côté marseillais, c'est de la merde, c'est pour ça qu'on voit rien. Sinon si c'était beau, ils n'auraient pas foutu des nuages. Connasse. Petite relance là, hein. Celle-ci aussi elle est intentionnelle. Hein. Oh l'enculé, 400% de pente. Ça doit être à peu près à 1000 mètres d'altitude. Il fait moins 40 ressenti, moins 70. Faut que je fasse attention de ne pas me prendre un phoque ou un ours polaire. And now I'll rise above you. Moi j'aime les parties humides. Oh, deux fois de suite que tu nous l'as fait, hein. À Sainte-Tulle et ici, hein. Donc là en fait il a peur, il fait semblant que ce soit à ses vitesses qui passent pas, mais il a peur. Oh là 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 là. Ah, il y a des grosses vites, ouais.
Dis donc, c'est pour ça que tu veux t'arrêter? Allez, une bonne branche dans la gueule. Oh, le petit travers des familles. Joli. Joli, hein. Ah ouais, c'est dans la boîte, t'inquiète. Connasse. Des petits ressauts, il m'a dit. Oh l'enculé! Non mais il te faut un nucléaire toi, c'est pas possible! Oh là là! À vue comme ça, on prend des risques, on prend des risques! You can never say what I have lost. You can never guess where I've been done. I can never break something that ain't wrong. Baby, come and taste what I have in store. Eh hey ben putain, c'est pas aujourd'hui qu'on fera un chrono, hein. Allez, dans le pétu, lâche tout. Envoie tout à la boîte et les clous. Wouhou. Bon, on arrive sur le pierrier de Cérest. Ça s'appelle comment alors? Putain, regarde, déjà, regarde. Déjà, il y a un papier par terre, on va le ramasser. L'éboulis. Ah. Et c'est quoi un pierrier alors? À Fonjouval, c'est un pierrier ou pas? Putain, le mec, il joue sur les mots. Alors, nous arrivons sur l'éboulis de Cérest. Allez, on va se jeter à l'intérieur, on va voir. Hein. On voit tout. Putain, la fin de sortie, là. Un pétard à 25%. Ah, il s'accroche le vieux, hein. C'est beau ça. 1006 de négatif, 1003 de positif sur 30 km. Non, on n'a pas trié les lentilles, voilà, c'était une belle sortie. Moi, j'ai fait 100% de découverte. Pourtant, je suis du coin, mais on a tout, perso, j'avais jamais fait toutes ces descentes, donc c'est très bien. On a roulé à vue, c'est très bon pour le travail. De compétition, ça permet d'aller plus vite. Allez, je fais un petit montage et puis on va vous envoyer ça. Bye.